Merci. Mesdames et messieurs, merci. Je suis ravi d'accepter ce prix au nom de moi-même. Moi qui suis même pas dans le showbiz. Moi, Nico Chauvin. Égorgé, parce que il n'y a pas que Jeune Poubelle qui a légué son nom à la postérité. Il y a moi, humble paysan, simple soldat laboureur, fermier et grenadier. Quoique plutôt mitrailleur au lit. Armée de réserve. La grande armée. The Big Army. Eh oh! Si vous n'avez pas de chaud, vous pourriez au moins admirer l'uniforme. Et si vous n'aimez pas l'uniforme, vous pouvez toujours admirer mon... C'est comme ça que la langue française sonne dans l'espace. Quand je dis... Portez-moi du boudin noir. Au chef des extraterrestres. Non mais sérieux, je vais être sérieux. On m'a demandé de venir ce soir, j'ai été invité. On m'a appelé les grandes halles étoilées de l'immortalité posthume, notre petit Va'ala à nous, les Französisch, pour recevoir ce prix. Il y a bien un prix, non? Bon. Mais je ferai plus que simplement recevoir ce prix, probablement fabriqué à Taïwan, ou je ne sais quel trou du cul du monde au PIB par habitant tout pourri. Beaucoup plus. Comme je l'ai toujours fait, d'ailleurs. Je vous ferai un discours. Un pur discours. Qu'on peut traquer au champagne de champagne à la fin. Et ce discours, celui que je vais vous faire là, maintenant, c'est pour vous, les filles. Beaucoup de filles avec nous ici ce soir. Hé, hey, les chaudasses, accrochez-vous. Le meilleur jour de la meilleure année, du meilleur pays, de la meilleure planète, du meilleur système solaire au monde. Voilà. Non, je plaisante. Mais en ce qui me concerne, la France est un pays vraiment pas mal, avec d'assez bons produits. La ville d'où je viens, le village plutôt, est Rochefort. Vous, mesdames qui se plaignent de ne jamais rien apprendre devant vos télé-iPad, laissez-moi vous dire que Rochefort est aussi le lieu de naissance de l'amiral de Genouilly, qui conquérera plus tard l'Indochine. Une guerre à laquelle j'étais hélas trop mort pour participer. À cette époque, Rochefort était une grande ville navale. Tout le monde voulait bosser sur les bateaux. Raison pour laquelle, moi, j'ai choisi l'armée de terre. Je ne faisais jamais ce qu'on attendait de moi. Par exemple, là, vous ne vous attendez pas à ce que je vous dise. Juif ? Ma petite enfance fut sans histoire. Je passais mes matinées à me raser, et mes après-midi à fumer des pipes au port, à côté des prisons flottantes. Oui, les prisons flottantes. Durant la Révolution, on a mis 1800 prêtres là-bas. Une véritable petite flottille de bateaux geôliers. Ils refusaient de désavouer le pape. La plupart en mouraient. De faim, de déshydratation, de torture. C'était ça, mon enfance sans histoire. Les hurlements des papistes mourants.
Une page Wikipédia, dont je suis l'auteur, affirme que c'était le premier camp de concentration au monde. Qu'est-ce que je vois là? Mademoiselle! 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 À ce qui paraît, vous... Vous vous promenez? Bah ouais. Je me promène aussi? Je m'appelle Chauvin. Ça rime avec... vin. Le soldat inconnu, qu'il faut absolument connaître. Revenu pour couler des jours heureux auprès de mes ancêtres. Mais t'as qu'un œil. Oui, mais j'ai deux. Les Rochefort, ce ne sont pas que des bons souvenirs. C'est là-bas qu'à bord du HMS Bellerophon, le second et dernier règne impérial de Napoléon touchait à sa fin. Les 100 jours. En réalité, c'était 111 jours. Mais ça sonnait mal, ça manquait de charme. Alors on le bronze ! On s'en fout. Juste un petit avant-goût des mensonges à venir. Oups. Non mais c'est super dur pour moi de parler de tout ça. Je vous prie de respecter cette difficulté, vraiment. Les historiens ont toujours dit que j'avais de l'amour hétéro pour Napoléon. Que je me serais battu pour lui jusqu'au bout. Que j'aurais fait n'importe quoi pour lui. Des omelettes, chercher ses trucs au pressing. Mais la vérité, c'est que je détestais Napoléon Bonaparte. Le salaud. Le petit salaud. Il était même pas si petit. Non mais c'est dégueulasse! Maintenant qu'il est mort et que moi je suis mort, qu'on me fasse passer pour son petit chien de compagnie? Alors que les Corses, c'est un peu les rebeux de la France quand même. En plus, quand je l'ai rencontré, je m'en souviens, je m'étais déjà battu sur 8 continents. Je compte la France comme un continent. Et j'avais pas fait que me battre. Désolée, mademoiselle, je ne fréquente plus les putes. Bref, j'ai été aucunement une espèce de 68ard, la bite molle qui se laisserait impressionner par le premier micro-général corse qui déboule. Avec un nom un peu précieux qui sonne comme un poème. Comme une promesse d'un été inoubliable passé ensemble. Fait de nuit torride, c'est éternel. Parfumé de jasmin. À courir les ruelles et les serrailles d'Alger, à baiser n'importe qui. Oh, de lendemain lent et doux, fait de brunch, couscous royal, pinard à volonté, à se badigeonner l'un l'autre les organes génitaux, avec des remèdes maison et expérimentaux pour des MST schlingantes et purulentes, jamais vues auparavant, et jamais revues depuis. On dit que je suis un peu raciste sur les bords. Déjà,
qu'il y ait une conscience raciale. Ça veut pas dire que je suis raciste. D'ailleurs, ça veut rien dire du tout. Mais juste alors, expliquez-moi le fait que j'ai baisé avec des meufs de partout, partout, partout dans le monde. Des quinfs, des nouages, des poundés, des rebeux, des naines, des mamacitas, des préados, des dames d'honneur, de princesses. Merde, j'ai même baisé des mecs. Cincinnatus? Alexandre le plus grand? Je suis même pas homo. Je suis de loin la personne la plus ouverte que je connaisse. Ces voyages m'ont fatigué. Car qu'est-ce qui différencie la femme dans le fond si ce n'est de petites variations de quantité, de forme, d'aspect qu'on retrouve ça et là chez l'une ou l'autre à peu près identique. Quelle monotonie dans le fond. Aussi, quitte à être pareil, autant choisir le plus pareil possible. Hein. Regardez-moi ça. Ni trop grande, ni trop petite, ni trop poilue, ni trop imberbe. Ni trop latine, ni trop nordique. Et il n'y a rien de plus enivrant que cette douce médiocrité-là. Vraiment, pas besoin d'aller coloniser l'île. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Napoléon... il s'est toujours battu pour sa gloire à lui. Alors que moi, je me suis toujours battu pour la France. Et la France, c'est là. Elle est là, ma petite mission civilisatrice à moi. Alors que Nabou, il avait toujours sa main là, à se caresser son téton surnuméraire. Ouais, il en avait un de trop. Googlisez-le. Quand je prends un bain, parfois, je suis là à me demander, est-il en train de prendre un bain, lui aussi? J'espère qu'il est heureux, quoi. Il se porte bien. Il tombe pas malade, bien sûr. Ouais, parfois, quand le téléphone sonne, genre le jour de mon anniversaire, par exemple. Et quand je loupe l'appel, j'écoute ma messagerie après, qu'il y a un message, mais personne qui parle. Moi, j'entends les bruits de respiration, peut-être même pas des bruits de respiration. J'aime penser que ce bruit-là, c'est lui. Oh! Waterloo? Ok. Parlons-en. Déjà, sa mère la pute, faut un vrai homme pour défendre la Prusse. Mais attendez, vous dites, pas si vite, Nico Chauvin. Vous n'avez rien descendu du tout? Wellington et Von Blücher, ils vous ont lessivé? Ils sont partagés votre goûter? Mais merde, c'est ce que vous pensez. Wellington, il est connu pour quoi? Du bœuf fourré dans de la pâte? Et Von Blücher, il a inventé quoi? Une chaussure? Pédé. Et puis quoi? Les nazis ont nommé un bateau coulé en son honneur? Franchement. Si c'est ça, gagner la bataille de Waterloo. Tu vas? Alors que moi, mon nom est devenu légende. Chauvinisme. 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 Chauvinismus. Chauvin-souris. Tamaton. Male chauvinist pig. Je suis devenu éternel. Une putain de tour de Babel Eiffel. Un nom qui s'est diffusé dans le torrent de l'humanité. Non mais sérieux, personne n'aurait une petite chaise pour moi à l'académie? Quelqu'un? Personne. Non? Mon nom l'a fait. On l'a défait. On l'a traduit. Ma pauvre petite tête. Putain. Ah! Ah!
excusez-moi, hein. J'ai pas pu m'empêcher d'espionner votre petite conversation. C'est pas mes oignons, mais je pense vraiment que vous devriez être payé pour ça. Si votre nom est partout et dans toutes les langues, normalement, vous devriez être payé chaque fois qu'on le cite. Les droits d'auteur. Je suis dans le Larousse aussi. Eh ben, c'est pas normal, ça. Vous avez un agent ? Garçon ! Un grand cappuccino pour Nicolas Chauvin qui a besoin de se réveiller. Nico. Nico. Mon Nico. C'est pas ce ruban rouge qui va payer pour votre chirurgie reconstructive. Ça va bien falloir, hein. Vu comment nos services sociaux sont surmenés. Mais qui êtes-vous ? Que faites-vous là ? Je suis là pour vous rappeler le caractère fugace et misérable de votre existence. Non, je plaisante. Je suis là pour vous aider. Vous n'avez donc aucun souvenir de vos parents ? Non. Ça vous a jamais paru anormal ? Ben non. Vous n'avez jamais croisé la moindre personne qui les ait connus ? Non. Nicolas, c'est parce que vous ne venez pas de Rochefort. Comment ça, je suis pas rochefortais ? Lisez cela. C'est une thèse de 93. J'ai trouvé sur Gistor, j'ai un abonnement. Nicolas, vous êtes né de la plume d'auteur de vaudeville parisien dans les années 1820. Vous n'avez jamais vraiment existé. C'est d'ailleurs pour ça que vous manquez autant de complexité. Eh ? J'ai de la complexité pour toi dans mon froc ? Vous n'êtes en vérité ni d'origine rurale ni d'extraction prolétarienne. Rustique et guerrier, vous êtes le fruit de fantaisies réductrices d'une élite intellectuelle urbaine. T'es un clown cutéreux inventé par les citadins. Vous voyez, il fait partie de ce qu'on appelle la psycho-histoire. Je comprends pas. Il a indéniablement des désirs et des appétits. C'est quand même assez complexe qu'il ressent pour Bonaparte. Complexe, La raison pour laquelle il aime autant Napoléon, par exemple, n'est pas parce qu'il est homosexuel. Non, mais sans deck. Cependant, c'est néanmoins lié à l'instinct sexuel. Ça résulterait de la répression du conflit oedipien et consisterait en un transfert sur la nation et son chef charismatique des émotions ressenties à l'égard de la mère ou du père manquant. C'est d'ailleurs pour ça qu'au fond, vous avez aussi un désir confus sexuel à l'égard de Macron. Daft Punk, défilé du 14 juillet, puis paf! Ordonnance, ordonnance, ordonnance! Et votre hostilité à l'égard de l'arabe et du juif... Ce sont vos mots, ça. J'ai jamais dit ça. De l'Union européenne, du monde de la finance, de l'oligarchie financière juive. Je vous demande pardon. Vous êtes comme l'enfant qui projetterait sur un tiers l'image négative de la mère pour ne conserver à son égard que des sentiments positifs. Votre nationalisme fervent projetterait sur l'étranger les frustrations et les angoisses ressenties à l'origine à l'égard de la mère partie patrie. Un peu fuche, tout ça. Non ? Et pour conséquence finale, cette radicalisation manichéenne de la pensée suscite des fantasmes paranoïaques. Comme vous, par exemple. C'est exact, mademoiselle. Blessure.
Laissez-moi tranquille. Regardez votre gueule, là. Vous êtes trop pas beau. Raté. Vous êtes cuit, chauvin. Attendez. Même si je crève, avec le blé naissant de vos cadavres devenus humus, les Français, grands mangeurs de pain, pourront pratiquer une communion autophage, laïque, chauviniste et nationale. Oh merde, je me suis un peu laissé aller là. Oh. Je me dépêche, je termine. Oh. Voilà, coup de stress. Alors, bien sûr, je voudrais remercier tous ceux qui ont voté pour moi. Les autres aussi, d'ailleurs. Ma mère, bien qu'apparemment je n'en ai pas. Je regrette un peu. Gérard Depardieu. Eurosport. Oh merde, je suis sûr que j'oublie quelqu'un. Deliveroo, Intouchable, le film, Les putains croissants au jambon de ma putain de boulangerie, Jean-Jacques Goldman pour sa discrétion, Laurent Gérard, François Hollande pour son très respectable bilan de vente d'armes à l'étranger, 8,3 milliards d'euros en 2016, la tarte au citron, le clodo en bas de chez moi pour son joli sourire triste, la Coupe du Monde 98, Jean-Sébastien Bach, FN 65, l'inventeur des lingettes au citron pour nettoyer la cuvette des chiottes dans les cafés, on peut enfin chier assis, les ronds-points, les inventeurs des ronds-points, Yannick Noah. Dans l'automobile et transforme chaque samedi d'été en vacances scolaires le pays en année.